match de, le match d'aujourd'hui, 0-3, je crois que ce n'est pas si facile, mais une fois le 2-0 là, le match est joué. Oui, enfin, c'était pas ce qu'on attendait. C'est vrai que le match a été difficile pour nous au début. Je pense qu'on n'a pas, donné le football que nous, on voulait donner. Donc oui, on est déçus de ce côté. Mais bon, il faut être content. On a les 3 points, c'est ce qui est le plus important dans le football. On a gagné le match. Maintenant, il faut penser au prochain. C'est dans un stade où tu as des bien choses à faire dans le final de Coupe de la Belgique. C'est quelque chose d'important pour toi? J'ai dit au staff que c'était un match exceptionnel parce que c'est vrai que le dernier match avec Anderlecht a été ici. J'ai marqué le goal à la coupe, donc oui, c'est vrai que c'est un match spécial, c'est un terrain spécial plutôt. Mais bon, chaque match, il faut le prendre de la même manière que les autres. Mm-hmm. Tu viens d'Anderlecht, maintenant à Bruges. Tu vois beaucoup de différences? Personnellement, oui. Parce que je joue, on me donne la confiance que je mérite, que j'ai besoin en tant que footballeuse. Moi, je suis une joueuse très passionnée, très motivée, qui veut toujours jouer, toujours donner le meilleur de moi. Maintenant, ici, on me donne la chance de pouvoir donner ça à l'équipe. Je suis très contente ici. Et ça va déjà très bien parce que tu as marqué déjà 3 fois. Oui, comme je vous ai dit, il suffit juste de donner donner confiance aux joueurs et puis c'est à nous de montrer sur le terrain. Mm-hmm. Tu as choisi pour l'équipe nationale de Maroc. Comment c'était le stage et comment s'est passé que tu vas au Maroc? Oui, le stage m'a étonné, mais que du bien. Mm-hmm. C'était vraiment un stage super. J'ai beaucoup appris et puis le staff là-bas était très bon, les joueuses étaient vraiment bonnes. Et oui, je pense que le choix, oui, c'est compliqué quand t'es binational. Mm-hmm. Mais moi, j'ai toujours eu le choix dans ma tête. Maintenant, il fallait juste bien y réfléchir et en parler avec la famille. Maintenant, je suis contente et j'espère que c'est pour longtemps. Mm-hmm. Et quelle est votre ambition personnelle et l'ambition avec l'équipe, avec Wiley? Ici, l'ambition, c'est de gagner tous les matchs, essayer d'aller de 3 points en 3 points et puis voir ce que l'avenir va nous donner en retour. Ok, félicitations avec le gagné aujourd'hui et à bientôt. Merci.